Il était une fois un roi très riche, mais aussi très étrange. Un jour, sans que personne ne sache pourquoi, il fit placer un énorme rocher au milieu d'une route. Personne n'osa poser la moindre question. Si le roi le demande, alors nous le faisons. Encore plus étrange, le roi demanda à ses gardes de le suivre et il se cacha à proximité. Son but était de voir si une personne bougerait ce gros rocher au milieu de la route. Les premières personnes à passer étaient de riches courtisans du roi. Plutôt que de déplacer le rocher, chacun des courtisans prirent le soin de bien le contourner. Ils continuèrent leur chemin comme si de rien n'était. Puis, le roi vit arriver des marchands. Tout comme les courtisans, ils contournèrent le rocher à la seule différence qu'ils s'insurgèrent contre le roi en criant « Quand je vois tous les impôts que nous payons et quand je vois l'état de cette route, je me dis vraiment que le roi n'a aucun respect pour les gens du peuple. » Les plaintes continuèrent jusqu'à ce que plus personne ne puisse les entendre. Absolument aucun d'entre eux n'eut l'idée de retirer le rocher ou au moins d'essayer de le déplacer. Finalement, un paysan arriva. Ses bras étaient chargés de légumes. Lorsqu'il s'approcha du rocher, plutôt que de le contourner comme les autres, le paysan posa tous ses légumes et essaya de déplacer la pierre sur le côté de la route. Après de longues minutes d'efforts intenses, le paysan, les mains sur les hanches, respira, heureux d'avoir réussi à dégager le chemin. Le paysan rassembla ses légumes et alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa route, il aperçut une bourse posée sur la route à l'endroit exact où se trouvait le rocher. Le paysan ouvrit la bourse. Celle-ci était remplie de pièces d'or et contenait un mot du roi. La note du roi disait que l'or de la bourse était une récompense pour celui qui déplacera le rocher de la route. Le paysan venait d'apprendre ce que beaucoup de gens ne comprennent jamais. Chaque obstacle nous donne l'occasion d'améliorer notre sort.